Nous vivons en plein milieu de l'océan Pacifique Sud. Les montagnes sont immenses et vertes. Ici, nous sommes totalement connectés à l'océan. L'océan, c'est tout pour nous. Grâce à l'océan, on peut s'amuser, c'est notre terrain de jeu. On peut aller surfer de grosses vagues. Ça nous permet de nous nourrir, nous, notre famille et nos proches. Ça nous permet de travailler aussi. On travaille auprès des animaux, avec les animaux. Je vis auprès de l'océan, mais l'océan vit également en moi. Je m'appelle Pierrick et je viens de Montréal. Bienvenue dans mon monde. J'ai grandi auprès des animaux marins. Mon père, quand j'étais petit, m'emmenait régulièrement nager avec les baleines à bosse. Ces animaux m'ont toujours fasciné parce que ce sont des géants des mers. On a énormément de chance en Polynésie car tous les ans, elles viennent d'Antarctique, elles migrent ici pour se reproduire et pour donner naissance. On ne perd jamais une occasion de se mettre à l'eau avec car parfois le spectacle est tout simplement exceptionnel. Pour nous, en Polynésie, la pêche sous-marine est vraiment importante. C'est la seule nourriture vraiment qui vient de chez nous, qui n'est pas importée. Pour aller chercher notre poisson, c'est pas si évident que ça. On risque aussi notre vie. On doit aller très profond, parfois jusqu'à 35 mètres, et rester plusieurs minutes et attendre que le poisson vienne à nous. Le poisson arrive. Il y en a des petits, il y en a des gros. Bien sûr, il faut choisir le gros. Pourquoi? Car celui-ci, je suis sûr qu'il a eu le temps de se reproduire avant. C'est beaucoup de risques et c'est une pêche vraiment sélective qui permet de garder l'équilibre de l'écosystème marin. Ce que j'aime avec la pêche sous-marine, c'est vraiment qu'on a la possibilité de sélectionner notre poisson et si en plus on le fait juste pour nourrir nos proches, ça n'a aucun impact négatif sur l'écosystème. Si tous les pays proches de la mer pouvaient faire la même chose, c'est-à-dire pêcher le poisson pour ses proches ou pour la communauté locale, ça nous éviterait de promouvoir la pêche industrielle, ce qui détruit nos océans actuellement. J'ai rencontré Cory en 2017, c'est une biologiste marine américaine qui est passionnée de requins. Elle m'a montré comment interagir avec les requins, ce qui m'a tout de suite vraiment interpellé. J'ai passé des moments avec elle dans l'eau au début, j'ai vu des requins tigres qui sont venus vers nous et je l'ai vu comment elle faisait avec, ça m'a vraiment impressionné. Depuis, je me suis mis à le faire aussi. Et je n'arrive plus à m'arrêter, c'est devenu ma passion. Et je fais ça constamment, je travaille avec les requins, je nage avec les requins parce que je les aime et j'ai même une fondation pour les protéger maintenant. Et ce qui me plaît le plus, c'est de comprendre comment communiquer avec eux et interagir avec eux. L'interaction homme-requin, c'est ce que je recherche le plus et je pousse vraiment mes limites pour ça.
Dans ma vie, l'océan m'a tout donné et je pense que c'est à mon tour maintenant de lui donner quelque chose en retour. Je suis passionné des requins, je passe mon temps avec. Et avec notre formation, on les protège. Et les requins sont essentiels pour l'équilibre de l'écosystème marin.